La première dame et la chanteuse québécoise se sont rencontrées mercredi 24 juillet et ont été immortalisées tout sourire à quelques heures de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques lors de laquelle Céline Dion doit performer. Brigitte Macron a opté pour un look très tendance alors que l'artiste, elle, avait choisi le chic d'une tenue noire. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques commencera dans quelques heures ce vendredi 26 juillet 2024. Si les nerfs sont tendus pour certains, d'autres n'ont qu'une hâte. Que le mystère soit levé sur les performances des célébrités invitées pour l'occasion. Voilà des mois que la rumeur enfle au sujet de la venue de Céline Dion pour chanter lors de cet événement alors que l'artiste québécoise rencontre de graves soucis de santé depuis qu'elle est atteinte du syndrome de la personne raide et qu'elle a dû annuler toute sa tournée. La chanteuse qui est arrivée il y a quelques jours à Paris avec son fils aîné René Charles-Angelil compte bien remonter sur scène ce soir pour la première fois depuis 4 ans. Selon nos informations, Céline Dion portera une longue robe blanche très élégante avec des broderies, le tout signé par la maison française de haute couture Dior. Elle devrait interpréter l'hymne à l'amour, une chanson emblématique du répertoire d'Edith Piaf. La chanteuse s'est offert plusieurs bains de foule depuis son arrivée en jet privé tout droit venu de Las Vegas, mais si est-il une photo avec la première dame, Brigitte Macron, qui fait aussi parler. En effet, Tristan Bromet, le directeur de cabinet de l'épouse d'Emmanuel Macron, a posté sur son compte Instagram une très jolie photo de la première dame et de la chanteuse canadienne. On peut y voir les deux femmes tout sourire dans une chambre du Royal Monceau, un palace du 8e arrondissement, où Céline Dion a posé ses valises le temps de son séjour parisien. Céline Dion et Brigitte Macron, la rencontre du chic à Paris. Ravie d'être à Paris, la maman de trois garçons a écrit sur Instagram suite à sa visite du musée du Louvre, « Chaque fois que je reviens à Paris, cela me rappelle qu'il y a tellement de joie et de beauté à voir dans le monde. » Jamie Paris et je suis si heureuse d'être de retour. Merci à mes interlocuteurs merveilleux du Louvre. Si Céline Dion s'est réjouie de cette visite, elle a donc aussi passé un bon moment avec la première dame puisque les deux femmes ont discuté pendant plus d'une heure, mercredi 24 juillet, soit deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Pour l'occasion, Brigitte Macron a choisi de porter un blazer à revers court, boutonné sur un t-shirt blanc. Son tailleur à fines rayures blanches, grises et beige, est pile dans la tendance de l'été, un style qui change de ce qu'elle porte habituellement. Le pantalon, assorti, mettait en valeur sa silhouette allongée avec une paire d'escarpins beige. De son côté, Céline Dion a préféré un look full black avec chemisier, manches courtes et jupe assortie, le tout complété avec une paire d'escarpins Dior très chic.